Moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de groupes qui émergent tout à fait bien en France. Le problème, c'est que c'est le privilège d'un précaré de poulain d'écurie subventionné qui accède du coup à un circuit très cloisonné et très endogame de festivals, de salles de concert type Smack, et ce genre de choses. Et ces groupes-là n'ont pas de problème d'émergence. Le problème d'émergence, il se pose surtout pour les groupes qui se construisent en autonomie par la force du poignet dans les caves, les sous-sols et les bas-fonds. Ceux-là, oui, ils peuvent et qu'il faut qu'ils écument le paysage sonore pendant des décennies avant de trouver une résonance à un stade supérieur, à un stade, on va dire, à un stade grand public, une exposition au-delà des seuls initiés. Voilà, ce problème d'émergence, à mon avis, pour ce groupe-là, c'est simplement un phénomène plus ou moins mafieux, quoi. Il y a des circuits qui sont, il y a des circuits qui sont le précaré de certains organismes, et ils vont pas se laisser marcher sur les pieds comme ça par des gens qui viennent de nulle part. On a des noms, nous on peut dénoncer. Moi, je recommande surtout, alors je saurais pas retrouver ça ou vous donner une référence précise, mais il y avait une très intéressante interview de Jessica 93 qui parlait de ça. Je me rappelle d'avoir lu ça sur les internets, et lui est bien placé pour parler de ça parce qu'il a réussi quand même à passer un peu ce plafond de verre, mais en faisant 200 dates par an, sac au dos. Enfin, c'est un vrai travail de forçat et tous n'y arrivent pas. Le plafond de verre, c'est simplement l'illustration des circuits parallèles dont parlait John. C'est-à-dire que il y en a plusieurs circuits qui sont parfaitement isolés les uns des autres. Et donc, on va pouvoir arriver en tant que groupe au top d'un circuit donné, du circuit typique, par exemple, des groupes qui jouent dans un festival comme la Ferme Électrique. Mais on remarquera, et ça, je me suis amusé hier, pendant qu'on était en train de régler des questions administratives dans le bureau, à regarder toutes les affiches de la Ferme Électrique et à me dire, tiens, 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 depuis 10 ans, dans tous les groupes exceptionnels qui passent dans ce festival, combien j'en ai vu à la télévision, combien j'en ai entendu parler sur Radio France ou peu importe. Eh ben, je vous le donne en 1000, ça se compte sur les doigts d'une main. Et encore, si on est vraiment très attentif aux médias, ouais, il y en a deux, quoi. Je sais pas, il y a peut-être zombie et frustration à la rigueur. T'as vu zombie à la télé, toi? Non, pas à la télé, mais bon, à la radio, tu peux tomber dessus, voilà. Et peut-être le Villejuif en avant. Et ça reste quand même, même des groupes d'initiés. Enfin, disons que c'est vraiment le bas du circuit d'au-dessus, quoi. Enfin, donc la question du plafond de verre, c'est ça. C'est que il y a des groupes qui vont être excellents, qui vont être au top dans le circuit dans lequel on évolue, mais malgré tout, ils franchiront pas le stade d'au-dessus qui va leur permettre d'être de faire des zéniths ou de faire un Olympia ou ce genre de choses. Ça me semble impossible. Close to your horse.
C'est un truc important à savoir dans un pays où on théoriquement on chérit la culture. Versailles, ouais. Mais en gros, moi, je suis musicien de, enfin, nous tous, mais moi depuis 20 ans, je fais pas vraiment autre chose à côté, quoi. Et avant de gagner sa vie avec ça, la quantité de travail que ça demande. En France, les gens qui vraiment, comment dire, ouais, il y a pas suffisamment d'argent en dehors des circuits subventionnés pour gagner sa croûte avec. Ça demande juste trop de travail. Il faudrait des journées plus longues. Il faudrait plus de journées dans la semaine et il faudrait qu'il y ait des salles. C'est un trop petit pays et un trop petit public, et comme disait John tout à l'heure, c'est un public de boîte. Les gros succès, enfin les seuls succès internationaux en France ces 20 dernières années, c'est de la musique instrumentale électronique, c'est David Guetta, c'est Cassius, paix à ton âme, Philippe Zdar, R, Daft Punk, tous ces machins là, il y a rien sinon. Enfin, c'est quoi les groupes de rock français à l'international? Il y en a eu deux dans l'histoire. Que je me pose en fait toujours depuis qu'on est dans ce métier, c'est comment ça se fait que des assos comme celle où on se retrouve aujourd'hui, qui avec très peu d'argent fait énormément de choses et fait jouer énormément de groupes excitants, réussit à fédérer un public sympa, fidèle, enthousiaste et impliqué, et à côté de ça on a des il y a un réseau plutôt chouette de salles de concert en France. Excellent. Qui ont beaucoup plus de budget que ces assos n'auront jamais, qui malheureusement ont des modes de fonctionnement qui impliquent qu'il leur faut des budgets, mais en gros ils ont des coûts de fonctionnement qui font qu'ils sont même pas en mesure de programmer des concerts. Il y a des salles qui vont programmer du coup 10 concerts à 5000 euros par saison, alors que pour du coup il y a plein de groupes qui sont dispo à 500 euros ou 1000 euros, et en gros ils peuvent pas se permettre de faire 50 concerts à 1000 euros, ils sont obligés de faire 10 concerts à 5000 euros. Du coup le public ne suit pas parce que les concerts sont pas assez réguliers. Il y a des protocoles administratifs, ah oui, il y a la chargée de com, il y a le chargé de diffusion, machin, chacun a son petit truc, et du coup ça vit pas, et ça c'est dommage. Et du coup ils peuvent pas se perméabiliser à la scène locale. C'est-à-dire que les petits groupes locaux, le public local, les possis, les gangs comme ça, des petits groupes locaux, ne peuvent pas ne sont pas intéressés par l'établissement, par ce type de salle, ce type de structure, puisque c'est pas leurs potes qui vont jouer, c'est pas des gens du coin qui vont jouer, c'est pas des gens du coin qui vont faire la première partie du groupe. Je pense que c'est pas tout à fait vrai, parce que les groupes du coin peuvent jouer. Par exemple, si on est à Laval, les groupes de Laval vont pouvoir jouer à la SMAC de Laval.
Par contre, jouer dans la SMAC du patelin d'à côté, ça va être beaucoup plus difficile. Donc c'est un peu bon la mafia dont on parlait tout à l'heure. Ça vient peut-être de là, c'est l'idée de mafia. Mais en gros, si on n'a pas grandi dans un territoire où il y a une SMAC qui est impliquée et active, là c'est compliqué. Et pas de chance si la musique que tu fais n'est pas conforme à l'esthétique en vigueur dans les circuits dits alternatifs. Dans les années 90, il fallait faire du festif. En gros, si tu faisais pas du ska ou du reggae à la fin des années 90 en France, ton groupe ne tournait pas. Merci à vous tous, encore une fois, de venir à des concerts, de discuter ensemble. On n'aime pas le fait qu'il y ait une scène entre nous, donc essayez de venir nous parler après. On est vraiment loin d'être des rockstars, donc ça peut être cool de discuter un petit peu. Merci, on s'appelle Verzino, on est de la malle. La question de mafia, c'est pour conclure sur ce que disait Mathieu, très concrètement, c'est que, si, mettons qu'une SMAC va recevoir, je veux dire un chiffre aléatoire, mais va recevoir 10 000 euros de subvention, donc dans quel but, normalement, dans le but de faire jouer des groupes, d'organiser des concerts, mais sur ces 10 000 euros de subvention, il y a 9 000 euros qui vont passer dans la chaîne matérielle, dans l'entretien, dans le salaire d'intermittents, qui vont faire vivre des intermittents du spectacle, qui vont faire vivre une attachée de presse et tout ça, et il va rester, avec de la chance, 1000 euros pour, en effet, faire jouer des groupes. Donc l'argent qui est distribué dans ce circuit subventionné, il ne sert pas en priorité à organiser des concerts, il sert à faire vivre un circuit subventionné. Ça, c'est mon point de vue. C'est peut-être un point de vue un petit peu radical, mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Après, si je puis me permettre, c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose du point de vue des groupes. Par contre, d'un point de vue d'une politique culturelle, d'une politique de l'emploi, une politique de l'intégration sociale, c'est jamais une mauvaise chose que de faire vivre un lieu, que de créer des emplois, de faire des... Simplement pour la mission, c'est du social, c'est pas du culturel. C'est du tissage de fibres territoriales.